Alors, je m'appelle Michelina Amor. Je signe de mon nom d'artiste Amorem. En fait, c'est mon nom et la première initiale de mon prénom. Je peins de façon professionnelle depuis 2006, entre 2006 et 2009. Précédemment, je dessinais et je peignais, mais de façon tout à fait amateur depuis ma tendre enfance. En fait, c'est ne pas me limiter parce que je n'ai pas fait d'école d'art. Je suis complètement autodidacte. Mais ma formation, c'est plutôt la littérature et l'écriture. En fait, pour la technique, en 2009, j'ai découvert le pastel sec. C'est une technique très ancienne. Mais aujourd'hui, de nombreux pastellistes essaient de mettre cette technique à l'honneur au cours des salons, des expositions, etc. Donc c'est ma technique de prédilection, mais comme tout autodidacte, eh bien, je ne m'interdis rien du tout. Tous les thèmes sont bons à aborder, toutes les techniques également, les techniques mixtes, etc. C'est ce que j'aime, c'est vraiment faire de l'expérimentation à partir de tous les médiums que j'ai à ma disposition dans mon atelier. Et surtout, ce que je préfère vraiment par-dessus tout, c'est la personne humaine évidemment et les portraits, mais surtout, c'est la rencontre avec le public. Et ce que j'aime, c'est peindre les personnes qui veulent bien me servir de modèle lors des stages ou des salons. Et j'anime des stages, et aussi bien dans mon atelier qu'auprès de différentes associations auxquelles j'adhère.